Salut à toutes et à tous, c'est Chickman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter The Next Creator, ou plutôt Melberries, parce que The Next Creator c'est un label qui a été développé par Melberries. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Melberries? Donc c'est un network, ou plutôt c'est une agence spécialisée dans la valorisation de contenu vidéo sur le web. C'est-à-dire que justement ils vont mettre en valeur votre contenu et ils vont le mettre en avant pour que les marques puissent vous contacter, etc. Et pour que vous ayez plus d'abonnés et plus de vues. Donc il vous permet déjà de monétiser vos vidéos. Ça c'est complètement normal puisque c'est disponible chez tous les networks. Surtout chez les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller chez AdSense. Ça va leur permettre justement de monétiser leurs vidéos sans passer par AdSense. Il vous protège aussi des droits d'auteur et des strikes. C'est-à-dire que si vous prenez un strike ou un droit d'auteur pour une musique que vous avez utilisée dans vos vidéos, vous pouvez justement contacter Melberries pour qu'ils puissent vous aider à enlever ce strike. C'est-à-dire qu'ils vont justement essayer de contacter YouTube ou de contacter la personne qui vous a strike pour qu'ils puissent justement vous enlever le strike. Ils vous aideront justement à améliorer votre chaîne YouTube et votre chaîne Dailymotion si vous en avez une. Et oui, parce qu'en fait, il vous permet justement de connecter votre chaîne Dailymotion avec le network pour que vous puissiez justement monétiser vos vidéos, même chez Dailymotion. Donc du coup, voilà. Alors, le network est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez quitter le network quand vous voulez. Vous disposez d'un dashboard justement personnalisé sur lequel vous avez plusieurs services que Melberries vous offre. Donc on verra ça par la suite de la vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir tous les services qu'ils vous proposent. Vous aurez justement 70% de vos revenus qui vous seront justement versés. Et le network, il prendra 30% de vos revenus. Ce qui est plutôt pas mal pour comparer aux autres networks. Vous allez pouvoir justement retirer votre argent une fois que vous aurez atteint le seuil de paiement de 30€ vers votre compte PayPal, hein, parce qu'il ne propose que PayPal en tant que mode de paiement. Et puis voilà. Alors tout d'abord, pour devenir partenaire avec eux, donc vous avez besoin de 4 conditions, ou plutôt 4 critères. La première, c'est d'avoir au minimum une vidéo publiée. La deuxième condition, c'est que vos vidéos ne doivent pas contenir du contenu offensant. La troisième condition, c'est de ne pas avoir de strike sur votre chaîne. Ça, c'est normal, c'est pour tous les networks. Et la quatrième et dernière condition, c'est de ne pas être rattaché à un autre réseau. Alors, en termes d'abonnés ou de vues, je ne sais pas du tout si ils peuvent vous accepter alors que vous avez très peu d'abonnés. Je ne pense pas. Je crois qu'il faut avoir au minimum 100 abonnés. Enfin, je sais pas trop, mais normalement c'est comme ça. En tous les cas, pour devenir partenaire avec eux, si vous avez ces conditions là, vous n'avez plus qu'à aller sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, qui est celui-ci. Ensuite, vous allez descendre un tout petit peu et vous allez cliquer sur rejoignez-nous. Une fois que vous avez cliqué dessus, normalement ça va vous mener vers une page comme celle-ci. Vous allez cliquer sur le petit go ici en bleu et ça va vous demander de sélectionner votre compte. Pour ma part, je suis déjà en partenariat avec eux, c'est pour ça que ça me dit que voilà, j'ai déjà fait une demande de rattachement. Et pour ceux qui se demandent, le network est certifié par YouTube. Donc voilà, une fois que vous avez sélectionné votre compte, il va vous demander de remplir un certain formulaire avec vos vraies coordonnées. Donc vous le faites, hein, vous le remplissez avec vos vraies coordonnées, que ce soit votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Bien évidemment, vous devez être majeur. Si vous n'êtes pas majeur, vous pouvez passer par un responsable légal. Ensuite, vous n'avez qu'à suivre les étapes d'inscription que eux ils vont vous demander. Donc voilà, c'est des étapes très simples. Une fois que vous avez complété tout ce qu'il faut pour vous inscrire, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à votre compte Melberries. Donc pour cela, vous rendez-vous sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Ensuite, vous allez descendre un tout petit peu, vous allez cliquer sur login. Le nom d'utilisateur, vous allez mettre le nom d'utilisateur que vous avez mis dans le formulaire d'inscription. Par contre, le mot de passe, c'est eux qui vont vous donner un mot de passe. Donc, ils vont vous envoyer justement vos coordonnées de connexion par email. Ils vont vous donner le nom d'utilisateur que vous avez choisi. Mais par contre, le mot de passe, c'est eux qui vont le sélectionner automatiquement, que vous allez pouvoir justement modifier par la suite. Pour ma part, je l'ai déjà modifié, donc voilà, je me connecte directement. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur une interface comme celle-ci. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi ceci est flouté, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste mon nom et prénom qui sont floutés. Une fois que vous êtes arrivé sur une interface comme celle-ci,
Vous voyez que l'interface est plutôt pas mal. Vous voyez déjà que le network met en avant ses partenaires, c'est-à-dire qu'il leur fait de la pub sur leur page d'accueil. Pour ceux qui se demandent, ça va durer, je pense, un mois. Donc en fait, chaque mois, ils sélectionnent deux chaînes par défaut qui, justement, ils vont mettre en avant sur leur plateforme. Donc déjà, une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous allez directement cliquer sur la petite catégorie de revenus. Vous allez aller dans profil de paiement. Vous allez modifier vos coordonnées de paiement. Donc moi, perso, j'ai mis mon adresse email PayPal. Donc tout ça, ça ne vous intéresse pas encore puisque normalement, vous aurez tout à zéro, hein, personnellement. J'ai pas tout à zéro parce que ça fait quand même plus d'un mois que je suis en partenariat avec eux. Donc ici, vous avez les statistiques de votre chaîne YouTube. Normalement, vous ne les aurez pas encore. Hein. Il faut attendre un mois pour pouvoir les avoir. Perso, je les ai déjà. Ensuite, vous allez aller dans Applications. Vous allez aller dans Dashboard. Ici, dans le Dashboard, vous avez tous les services que Mailberries vous offre. Donc ensuite, dans Chaîne secondaire, vous allez avoir la possibilité d'ajouter une chaîne secondaire à condition qu'elle soit bien évidemment en règle. Ensuite, dans les forums, ici vous avez les forums du site. Perso, ça m'intéresse pas trop, donc du coup voilà. Ensuite, dans URL compresseur, donc là c'est assez intéressant puisque vous avez un compresseur d'URL, c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple copier le lien de Google. Quand vous le mettez ici, vous allez avoir un lien raccourci, c'est-à-dire un lien plus petit qui va justement vous mener directement vers la page. Ensuite, dans scan de chaîne, ça je sais pas trop ce que c'est, ils me disent que je ne suis pas éligible pour ça, perso je sais pas du tout ce que c'est, donc je vous laisse découvrir. Speed chart, là ça, on commence à rentrer dans les choses sérieuses puisque vous avez la possibilité, grâce à votre partenariat avec Mailberries, d'ouvrir une boutique et ça sera Speed chart qui va s'occuper de tous les frais, etc. Donc voilà, ça c'est assez intéressant, mais je vous le conseille pas si vous n'êtes pas un grand youtubeur. Puisqu'il y aura forcément personne qui va acheter vos t-shirts si vous êtes un très petit youtubeur. Donc voilà. Ensuite, dans Epidemic Sound, ça c'est très très intéressant puisque vous avez accès, grâce à votre partenariat avec Mailberries, à plus de 25 000 pistes audio gratuites à utiliser dans vos vidéos. Donc pour ceux qui se demandent, c'est une sorte de musique de fond que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et utiliser gratuitement dans vos vidéos. Bien évidemment, vous ne risquez pas de vous faire strike ou quoi puisque c'est des musiques complètement légales et gratuites. Ensuite, dans Epoxy, le service Epoxy, normalement, c'est un service qui vous permet de booster votre audience. Je crois que le site est actuellement fermé puisque j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps comme quoi le site était fermé. Donc du coup, je vous laisse découvrir par vous-même. Ensuite, dans éditeur de miniatures, ça aussi c'est très intéressant puisque vous avez accès à un éditeur de miniatures complètement gratuit grâce à Mailberries. Donc c'est Mailberries qui vous l'offre. Vous allez pouvoir éditer vos miniatures. Vous n'avez qu'à importer les images que vous voulez, les utiliser comme des miniatures. Ensuite, dans Gameoniac, bon, ça c'est, je l'ai déjà normalement présenté en vidéo, donc c'est un site qui vous permet justement de recevoir des jeux pour console à seulement 9,99€ par mois. Vous bénéficiez d'un code cadeau de 7€ avec le code Mailberry7. Donc voilà, c'est juste un petit truc que Mailberry vous offre. Je vous laisse découvrir par vous-même. FixGuru, pour ceux qui se demandent, c'est une application qui est disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store. C'est une application sur laquelle vous allez pouvoir utiliser des effets pour vos vidéos, etc. Il n'y a que 1000 places, je tiens juste à le rappeler, donc je vous invite à télécharger rapidement cette application puisque ces codes-là que vous voyez ici, ils vont vous permettre de disposer justement des effets, assez pro, etc., gratuitement, qui sont de base payants. Mais grâce à ces codes-là, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir vous allez pouvoir en disposer gratuitement. C'est limité, donc je vous conseille de faire vite pour ceux qui le veulent. Après, voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Ensuite, dans Buddies, vous avez le gestion de profil. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez éditer votre profil, etc. Donc vous cliquez sur éditer, vous éditez votre profil. Et puis voilà, donc ensuite ici, vous allez mettre le lien de votre Twitter, etc. Et puis voilà. Ensuite, dans recherche, là, vous allez pouvoir rechercher des créateurs qui sont déjà en partenariat avec Mailberries. Vous pouvez sélectionner la catégorie si vous voulez, par exemple, faire des collaborations, etc. avec eux. Ça, je vous laisse aussi découvrir. Dans le fil d'actualité, c'est les personnes que vous suivez, hein, pour voir leur fil d'actualité. Ensuite, dans support, vous avez éléments graphiques qui sont des petits packs graphiques dont vous disposez gratuitement grâce à votre partenariat avec Mailberries. C'est des trucs qui sont faits justement pour vos bannières, pour vos logos,
pour votre outro, etc. Donc je vous laisse découvrir encore une autre fois. Newsletters, bon ça c'est la newsletter du site, hein, chaque fois qu'il y a une nouveauté, il l'ajoute ici sur le site. Ensuite dans guide, bon ça c'est le guide, c'est pas très intéressant. FAQ, bon là il y a des questions qui reviennent souvent pour Mailbury, c'est pour ça qu'ils ont décidé de vous les mettre ici, donc je vous laisse les découvrir. Ensuite dans assistance, enfin dans assistante, c'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir justement, si vous avez par exemple un problème, vous venez dans assistance, vous cliquez sur le petit bouton plus ici et vous allez vous choisissez ici la catégorie. Par exemple, si vous avez un bug sur le dashboard, vous les contactez pour ça. Si vous avez une question sur le partenariat, vous mettez question sur le partenariat, ensuite vous les contactez, enfin bref, vous écrivez tout ce que vous voulez et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.